Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce parole, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce soir, j'aimerais vous parler d'une affaire. Il s'agit de l'affaire Tiwa Savage. Une vidéo bizarre circule sur le net. Quelle est cette vidéo? Seigneur Jésus. Eh bien, j'ai vu la vidéo. C'est une vidéo pieds croisés, comme ça. Je dis, mais what? Que se passe-t-il? Je me souviens qu'il y a quelques jours, elle nous parlait de cette vidéo en question. Elle nous disait que quelqu'un est en train de nous faire du chantage. Quelqu'un lui dit que si elle ne lui donne pas une certaine somme d'argent, lui, il va publier sur Internet la vidéo où il est en train de coucher avec elle, sur le net. Et elle n'était pas prête à coopérer. Et elle a donc décidé de dire à ceux qui sont fans de sa musique, en fait, à ses fans, que une vidéo va circuler cette fois-ci sur Internet, s'il vous plaît. Il s'agit de moi, je ne veux pas nier. Ne considérez pas cela. En fait, il y a quelqu'un qui me fait du chantage, mais je ne suis pas prêt à lui donner l'argent demandé. Donc, si vous voyez ça vraiment, soyez indulgent. Et c'est-elle personne qui a cru que c'était de la blague. Moi, il y a cru que c'était une chose encore pour faire le buzz, mais alors je vous parle. J'ai vu la vidéo. Et la vidéo montre très bien son visage. Et je me dis, mais what? Sérieux? Vraiment, il faut que je vous parle. Il faut que je parle beaucoup à la jeunesse. Parce que beaucoup sont perdus. Beaucoup sont dans la confusion. Beaucoup ça dit, beaucoup n'ont pas la sagesse. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, c'est une chose privée. Toute chose qui autre que cela qui intervient dans ça, comme les vidéos, les photos que vous prenez là, ça là, ça va vous créer des problèmes plus tard. Parce que ce n'est pas censé se retrouver là. Et c'est pourquoi les gens qui font même les films X, vraiment, on ne peut pas les encourager dans ça parce que ce n'est pas une bonne affaire, ce n'est pas une bonne chose. Quand vous ne savez pas de quoi sera fait demain, s'il vous plaît, ne vous lancez pas dans certaines choses. Quand vous ne savez pas qui vous allez devenir demain, s'il vous plaît, ne faites pas les choses aujourd'hui qui vont vous rattraper demain. Oui, c'est la vérité, je vous le dis. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui s'amusent à cela. Il y a des gens qui couchent avec les filles, qui se filment. Il y a des filles aussi qui aiment bien aussi filmer les gars. Et c'est devenu un jeu. Ils se disent que, oh, il faut qu'on se partage ce moment parce que c'est un moment spécial. Comme je t'aime, vraiment, il faut que ça soit filmé. Mais l'amour entre un homme et une femme, là, est-ce que ça dure de nos jours? De nos jours, on ne sait pas si, on ne sait pas si ça dure. Hein? Rupture matin, midi et soir. Même le taux de divorce augmente. Même chez les chrétiens. Même chez les pasteurs. Si les pasteurs divorcent, s'il vous plaît, ce n'est pas vous qui n'allez pas avoir des problèmes dans cette affaire de couche. Donc, ne faites pas les choses aujourd'hui en vous disant que ça, c'est par amour, je le fais, sachant que ça risque de tourner mal demain. L'amour là, ça part. Après l'amour là, ça part. Qu'est-ce qu'il reste? Ce qu'il reste, c'est ce que vous avez semé. Maintenant, qu'avez-vous semé?
Si vous avez couché ensemble et qu'elle est tombée enceinte, l'enfant là va vous lier. Mais pas seulement ça. Il y a aussi les vidéos X. Avec vos vidéos que vous êtes filmées, qui sont encore dans vos données personnelles. Vous voyez ça? Si vous gardez encore toutes ces choses, ou si l'un de vous deux garde encore toutes ces choses, et que votre rupture a mal tourné à la fin, ça peut donner cela. Aujourd'hui, là, les sorciers, pour détruire la vie d'autrui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce genre de choses. Un gars va t'inviter quelque part, va dire viens, viens, je t'aime beaucoup. Tu arrives là-bas. Bon, vous faites les choses, vous tournez, vous faites les choses, vous buvez, vous faites beaucoup de choses, et puis tu tombes dans ses bras, vous couchez ensemble. Alors que tu ne sais pas que tout était prévu. Il avait juste prévu cela, afin de pouvoir te filmer. Peut-être qu'il va utiliser ta vidéo et puis poster cette vidéo X là sur les sites X pour se faire de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour la thune. Ça, c'est une affaire de thune qui intéresse là. Le gars, lui, pour lui demander de donner de l'argent, il va lui faire du chantage. Elle a refusé, elle n'est pas prête aujourd'hui, ni demain. Vous connaissez les femmes africaines, elles ne sont pas prêtes aujourd'hui, hein? Elles ne sont pas prêtes. Elle a refusé. Faites très attention ces temps-ci. Même dans la vidéo d'hier, dans l'une des vidéos d'hier, je vous ai parlé de l'affaire Jamela. Tout ça pour vous dire de faire vraiment attention. L'homme n'est pas fiable. La femme n'est pas fiable. Nous tous ici sur la tête, là, nous sommes à problème. N'ayez confiance en personne. On ne sait jamais. Même si vous aimez une personne, même si c'est votre mari, même si c'est votre femme, que tout ce que vous faites dans le noir reste dans le noir. Qu'il n'y ait aucun témoin, comme les caméras de surveillance ou bien une caméra de portable. Ne vous filmez pas en train de faire les choses dans aucun sens. Parce que même des gens à distance peuvent rentrer dans vos données personnelles. Ce n'est pas impossible. C'est comme il y a deux youtubeurs, c'est-à-dire un couple de youtubeurs. Eux, ils ont égaré leur téléphone quelque part. Et un hacker est entré en possession de leurs données personnelles. Et ce dernier les a menacés de poster leurs vidéos partout dans le monde. S'il ne coopérait pas. Ces choses aussi, comme ils étaient déjà populaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme Tiwa Savage. Ces gens sont venus ouvertement dire à leurs fans, écoutez, certains types de nous voir, certains types impossible que vous voyez des vidéos X de nous, s'il vous plaît. Si vous voyez ces vidéos bizarres, vraiment, soyez intelligents parce que, regardez, on a été piraté, quelqu'un a pris, quelqu'un a été en possession de nos données personnelles, sans le consentement. Et nous sommes en train de régler le problème. Mais nous vous informons de cela d'avance. Est-ce que vous pensez que cela va changer quelque chose? Aujourd'hui, quand on balance une chose sur Internet, ça reste à vie, hein? Ça reste dans les données, ça reste. Et ça part actuellement. Cette vidéo bizarre de Tiwa Savage est en train de vraiment être distribuée comme le petit P de gauche à droite. Tu vois ça, ceci. Bah, waouh! Ouais, quand c'est pour salir l'être humain, les gens sont prêts. Les gens sont toujours prêts pour les bêtises. Imaginez la suite. Et moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais what? Voici des gens qui se disent qu'ils ont de le monde et qu'ils sont tout permis, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils veulent vivre comme bon leur semble. Mais le diable travaille chez eux fort! Le diable travaille chez eux très très fort! Et il cherche à les nuire. Sérieux, hein?
Venez à Dieu, venez à Dieu, venez à Dieu, venez à Dieu. Venez, 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 venez à Dieu, venez à Dieu, venez chez Dieu, venez chez Dieu. Venez, venez, la porte est ouverte maintenant. Venez. La porte est grandement ouverte. Venez, venez, venez. Ouais. Si vous vous trouvez dans le monde, si vous avez les deux pieds dans le monde, s'il vous plaît, faites vous mettre attention parce que vous êtes très exposé. Vous êtes très exposé. Quand vous êtes dans le monde et que vous ne dérangez pas, vous ne dérangez personne, et que votre étoile ne dérange personne, personne ne va vous déranger, personne ne va vous embrouiller. Mais le jour où vous allez commencer à avoir le succès des gens autour de vous, les gens qui vous aiment, c'est ce jour-là même là, que vous allez voir qu'il y a des gens qui vous cherchent depuis longtemps. Mais ils attendaient juste l'occasion. L'occasion. Et regardez. Regardez. Il est préférable de se confier à Dieu et d'écouter Dieu. Tout ce que Dieu vous dit là, priez cela. On dit que tu n'es pas marié à un gars ou bien à une femme. Pas de rapport sexuel. C'est ce que Dieu a dit. Écoutez. Mais vous vous dites non. Vous voulez goûter d'abord pour voir si ça marche ou bien ça ne marche pas. Si ça, le courant passe ou ça ne passe pas. Maintenant, regardez, voilà ça. Toutes vos vidéos sur tous les réseaux sociaux. Je dis, mais what? Et la chose la plus grave de cette affaire, c'est que qui voit sa vie a un enfant. Elle a un enfant. Elle-même s'est dit, vraiment, ça là, ça va être bizarre. Puisque mon enfant est là. Et si mon enfant tombait sur cette vidéo, que se passerait-il? Et si ma maman tombait sur cette vidéo, que se passerait-il? Et elle disait, oh, heureusement que son père n'est plus. Sinon, ce serait encore très grave. Donc, il y a deux personnes sur la terre ici qui sont susceptibles de tomber sur cette vidéo. En commençant par son enfant. Son enfant. Waouh, c'est un enfant qui doit être entre, qui doit avoir moins de 10 ans. Il doit avoir moins de 10 ans, sinon disons plus. Mais, voilà. Vraiment, ne faites pas ça chez vous. Arrêtez et arrêtez de vous prendre, de vous filmer pendant que vous êtes en acte. Même si vous êtes marié, arrêtez ça. Ne le faites pas. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Toutes ces choses que vous voyez dans le monde et que je prends pour pouvoir vous les proposer ici, pour vous donner le conseil là, ce sont les choses qui doivent vraiment vous ouvrir les yeux. Il y a des chrétiens qui font pire que ça. Donc ça là, normalement, ça doit passer mes propres. Faites attention à vous. Ne posez pas des actions aujourd'hui dans le noir qui vont vous rattraper demain à la lumière. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Tout de suite, il y a beaucoup de vidéos à faire. Après cette vidéo, restez connectés.